En réalité, ils existent depuis le début de la réforme protestante au XVIe siècle. C'était notamment le mouvement anabaptiste qui professait le baptême des adultes, car pour eux, le baptême découlait d'une profession de foi, d'une conversion personnelle. Et à partir du mouvement anabaptiste mennonite, s'est décliné le mouvement évangélique au sein du protestantisme. Alors, aujourd'hui, le protestantisme évangélique, on peut distinguer quatre critères qui le caractérisent. D'abord, le premier critère, c'est celui de la conversion. Chez les évangéliques, tout chrétien a expérimenté une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et a changé sa vie par rapport à cette expérience religieuse. Deuxième critère, le biblicisme, c'est-à-dire la centralité de la Bible, qui est comprise non pas comme seulement contenant la parole de Dieu, mais comme étant véritablement cette parole et qui est normative pour tous les domaines de la vie, notamment la vie personnelle. Troisième critère, le militantisme. Les évangéliques sont des chrétiens militants, ils traduisent leur foi dans les actes de leur vie et ils cherchent à partager leur foi dans leur entourage. Et enfin, quatrième critère, ce que les théologiens évangéliques appellent le crucicentrisme, c'est-à-dire la centralité de la croix, la centralité de la passion du Christ, qui invite à lire toute l'histoire humaine à travers cet événement fondamental qu'est le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Avec les évangéliques, nous, catholiques, avons en commun l'urgence de la mission. Nous partageons vraiment le zèle apostolique de diffuser l'évangile autour de nous. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, baptisez-les et faites des disciples. Et bien ça, les évangéliques et les catholiques l'ont très bien compris, ils le partagent. Et dans ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les initiatives missionnaires, que ce soit en Occident, mais aussi dans les autres pays du monde, c'est souvent des évangéliques et des catholiques qui se retrouvent. Parfois, ils travaillent ensemble, et puis parfois, ils se confrontent, mais en tout cas, ils sont tous les deux sur le même terrain d'évangélisation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je dirais que catholiques comme évangéliques partagent la même exigence de refléter la foi dans leur vie, et ils partagent finalement une même cohérence de vie, un désir de cohérence de vie. Pour les catholiques et les évangéliques, la foi doit se montrer, le témoignage de foi doit être explicite et la foi n'est pas réservée juste au dimanche ou à certaines fêtes. Cela doit embrasser toute notre vie. Et d'ailleurs, sur ce plan, les évangéliques et les catholiques ont la même position sur tout ce qui est bioéthique et tout ce qui est théologie morale. Voire même chez les évangéliques, cela s'exprime de manière encore plus stricte. Sur tout ce qui est homosexualité, par exemple, les évangéliques vont avoir un discours extrêmement normatif, mais globalement sur le refus du mariage gay, sur le respect de la vie, du début de la conception jusqu'à la mort naturelle, évangéliques et catholiques sont totalement sur la même longueur d'onde. Je dirais que ce qui nous différencie tout d'abord, c'est l'institution. Pour les catholiques, l'Église catholique, en communion avec l'évêque de Rome, le successeur de Saint-Pierre, s'inscrit dans la succession des apôtres. Les apôtres ont ensuite donné les évêques, et c'est autour des évêques que l'institution s'est structurée. Et pour les catholiques, l'Église doit se montrer unie de manière visible par l'institution. Pour les évangéliques, et ça c'est une position protestante typique, l'institution est secondaire. L'Église du Christ, elle est unie, et les chrétiens sont bien les descendants des apôtres, mais c'est une unité beaucoup plus informelle, une unité en esprit, une unité en foi, pas une unité forcément visible dans une institution. Et d'ailleurs, les évangéliques sont très méfiants. Dès qu'une institution commence à se structurer, à prendre de l'importance, à se centraliser, pour eux, c'est le début de la trahison. Et ils ne vont pas hésiter à quitter une église qui marche bien et à en fonder une autre à côté qui, pour eux, est beaucoup plus fidèle au message évangélique. Ensuite, au niveau des sacrements, comme tous les protestants, les évangéliques ne reconnaissent que deux sacrements,
la scène, donc l'Eucharistie chez nous, et d'ailleurs pour eux, ils ont une autre compréhension de l'Eucharistie, et puis le baptême, grosse différence avec le baptême, comme je l'ai dit au début, pour eux le baptême est réservé aux adultes, est réservé à un croyant qui professe sa foi et qui prend l'engagement de suivre Jésus. Les évangéliques ne reconnaissent pas le baptême donné aux enfants, parce que nous, les catholiques, reconnaissons la validité de tout baptême chrétien prononcé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux, les évangéliques, ne reconnaissent pas la validité du baptême donné aux enfants. Et souvent, quand un chrétien rentre dans une de leurs églises et veut devenir membre de leur église, s'il a été baptisé enfant, il demande qu'il soit rebaptisé adulte. Et ça, c'est un enjeu très important du dialogue œcuménique et qui n'est pas sans poser problème.